Elles sont très hygiénites depuis 14 siècles. Marié avec Kenza, qui est barbare de la tribu Orada, cousine descendante de Koseila, à nouveau. Ça aurait donné X égale Idriss, Kenza Y égale Kenza. Donc X plus XY de mariage donne Idriss l'Asra. Idriss l'Asra. Idriss, petit Idriss. Idriss l'Asra. C'est comme ça historique. Asra. Petit Idriss. Là, Idriss l'Asra égale un XY. Idriss l'Asra se marie notre berbère. Et on dit XY au carré. Oui. Il donne Hamza. Moi, je suis descendant de Hamza. Donne Hamza. Hamza. Il a donné 12 enfants de parmi Hamza. Là. Moi, je suis descendant de Hamza. Hamza se marie avec une autre berbère. Et on dit XY au cube. Pour arriver, le Sahla. XY, ainsi de suite, XY 26. Qui donne Sahla. Donc, c'est pas Abdi Abdrahman, mon père, qui est arabe. C'est mon grand-père Idriss, premier qui est arabe. Donc, XY 26. Si on suppose. XY 26, quelle est l'importance de X devant Y? Y. Si XY 26, quelle est l'importance de X devant Y à la puissance 26? Supposez tout ce que vous voulez supposer de l'importance de X, comme mariage, qu'il soit homme, double homme, avec moustache, avec barbe, avec tout ce que vous voulez. Quelle est l'importance de X devant un Y 26? C'est la puissance 26 qui l'emporte. Là, il est là. T'as la puissance 26, là, il est X. Sauf si tu supposes que là, il t'a un tigre et là, il est une mouche. Mais c'est pas le cas, c'est des êtres humains. Oui. Donc là, c'est terminé. Maintenant, reprenons sous autre forme. La division, c'est pas la division. La soustraction, c'est pas la soustraction. Puisqu'il y avait eu un mariage. Et toujours dit mariage. C'est pas la soustraction, c'est pas la division. Mais il peut être additif. X, la même, on va la chercher par autre manière, par une autre opération, une autre méthode. C'est X plus 2, rien que pour expliquer la première. Puisqu'ici, il reste un point d'interrogation et d'exclamation. C'est vrai que X n'est pas l'Y, c'est vrai que l'Y l'emporte, mais on ne peut pas connaître. Mais à travers l'additif, on va le comprendre. X plus Y, plus un Y. X plus 2Y. Allons jusqu'à X plus 26Y. D'ailleurs, c'est le même. Descendance, arrivant là, distance, c'est XY 26, c'est X plus 26Y. Dans le sens chromosome, dans le sens héréditaire, dans le sens génétique, on peut hériter du père comme on peut hériter de la femme, de la mère. À quatre générations. Mon père, mon grand-père, de ma maman, la grand-mère, jusqu'à quatre. Mon enfant peut hériter de son grand-père. Déjà, il est d'un visage de... du côté maternel, d'Arimul Khalou, vous comprenez. Il peut hériter de quatre, dans le visage, mais dans le sang, dans la culture, il peut hériter beaucoup plus chez moi, il n'y a pas que le sens physiologique. Donc arrivons à dire que X pourrait être égal à Y, égal, supposé, égal à Y. Pourquoi qu'il est supposé? Puisqu'on peut hériter d'Y comme on peut hériter. Si on suppose devant des opérations de 26, on peut supposer l'égalité. Parfois on ramène de la mère, parfois du père, parfois de l'arrière-part de la maman, parfois de l'arrière-part du père. Donc, et voilà, ainsi de suite, on peut supposer l'égalité d'XY. Si on suppose que X égale Y, X, et voilà, X égale Y, tous les XY plus 26Y égale moi, qui est la personnalité, moi, égale 100%, Anahua, 100%. Je vais diviser 100% et moi entre 26Y et entre X, en supposant que X égale Y. Si on dit que X plus 26Y égale 27, sans le définir X ou Y, puisque Y égale à X. Mais de l'égal, on peut l'exprimer. Tous les 27. On ne peut pas écarter le X, il existe. Égale 27. Égale 100. 100 divisé 100, divisant par 27, égale 96,5%. Égale 3,5%. 3,5%. Multiplie par 26. Ah, attendez, 100 divisé par 27 égale 3,5. 3,5. Multiplie par 26, il y a Y, supposé.
égale 96,5% de berbérité. 3,5% multiplié par X égale 3,5%. Oui. Vous voyez la berbérité, comment il dit, oui. Devance énormément l'arabité. Le plus arabe du Maghreb ne peut être que de 3,5% d'arabité. Le plus arabe des Arabes au Maghreb ne peut être que de 3,5%. Mmh. Compris? Je suis pas amateur. Je suis pas amateur, à l'origine, je suis de la littérature. Je suis ici contre la littérature. Ah oui, ça oui. Maman. Oui. Hey. Fred. J'ai appliqué la mécanique, la génie mécanique. Et c'est ajouté la génie mécanique dans le sens génétique. Et on va avoir quelque chose, le croisement. Là. Au lieu de croiser tous les croisements. Oui. Ouais. Donc le plus arabe. Des Arabes du Maghreb ne peut être que de 3,5% d'arabité. Okay. Donc le Maghreb est berbère. Il est toujours berbère. Le Maghreb est seulement, le Maghreb. Seulement on l'a teinté avec le noirâtre arabe comme politique mensongère. Comment on est arrivé à le Coran, par le Coran qu'on est arrivé dans cette, la société devenue musulmane. Tiens, l'islam, il est coranique. Le Coran, il est arabe.